Alors, on revient sur cette décision du gouvernement Legault de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On joint tout de suite le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est avec nous. Bonsoir, M. Dubé. Bonsoir, M. Brion. Les gens se posent la question à la maison aussi. D'abord, pourquoi seulement en santé, alors qu'avec le retour en classe dans quelques semaines, les foyers de propagation seront les écoles? Oui, en fait, ce qu'on a décidé, parce que là, on parle vraiment de l'intégration, d'être certain qu'on rejoint les populations vulnérables et qu'on les protège. C'est sûr que notre premier objectif, c'est de viser les travailleurs de la santé. Mais lorsqu'on va en commission parlementaire, si jamais on a des discussions avec l'opposition, avec les syndicats, où il fallait élargir le groupe qui est en contact avec des patients ou avec dans certains services, je pense qu'il faudrait le faire. Mais on commence la recommandation qu'on a eue, M. Bruno, de la santé publique, c'est vraiment de commencer par la santé, puis on fera ça la semaine prochaine. Alors, on dit deux doses obligation d'ici le 1er octobre pour tout le personnel. C'est ça. Alors, ceux qui refuseraient seront sanctionnés? Seront-ils rémunérés? Irez-vous jusqu'au congédiement? Bien, je ne pense pas qu'on irait jusqu'au congédiement, mais les mesures administratives pourraient passer, par exemple, par un congé sans solde. Il y a une façon de... Ce qu'on veut, c'est protéger les gens qui sont vulnérables. Puis on l'a vu, là, même si on a 90 % des gens dans le réseau de la santé publique, on a quand même beaucoup de personnes dans le réseau privé. Je pense aux résidences pour personnes âgées. Alors donc, il faut avoir une vue globale de tous les employés qui travaillent en santé. Je regardais tantôt les réactions des différents syndicats et vous avez peut-être vu ces reportages-là, vous aussi, cette semaine, où on entendait des infirmières à bout d'énergie pleurer parce qu'on impose du temps supplémentaire. Alors, les syndicats disent aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une décision qui risque d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre en santé? Bien, moi, je dirais au contraire, je pense qu'on veut protéger notre personnel. Puis en ce moment, un des enjeux qu'on a, parce qu'on a beaucoup de personnel qui est malade, on veut diminuer les hospitalisations, on veut protéger les gens qui travaillent. Alors, moi, c'est un enjeu pour moi, les temps supplémentaires obligatoires. On va l'adresser dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'en suis très conscient. Mais en ce moment, c'est de protéger nos hospitalisations, d'arrêter de couper dans les chirurgies. Et tout ça passe, à mon sens, par une meilleure vaccination. Je le répète, la vaccination, c'est important pour le réseau de la santé, puis c'est ça qu'on va discuter. Bien, je pense que les Québécois ont bien compris jusqu'à maintenant. Hein? 85 % ont reçu une première dose, 74 % deux doses. Mais en mai dernier, vous disiez, M. Dubé, et le gouvernement disait, 75 % des gens vaccinés, on aura atteint l'immunité collective. Oui. C'est le variant Delta qui a vraiment changé la donne? Ah, c'est exactement ça, M. Bruno. Il faut dire que lorsqu'on parlait de ça au mois de mars, on s'était fixé l'objectif du 24 juin, vous vous souvenez. On avait un variant qui était beaucoup moins dangereux, qui était beaucoup moins contagieux. Puis on l'a vu dans le monde dans les derniers mois. Même des gens qui étaient vaccinés pouvaient le contracter parce que le vaccin ne protège pas parfaitement. Alors, c'est pour ça qu'il faut monter l'immunité. Et le docteur Arruda l'a dit cet après-midi, lui, dans ses rêves, il voudrait avoir 95 %. Ouais. On est déjà rendu à 85. Je pense qu'il faut continuer à monter. Chaque % pour moi est un gain important. Bien, voilà pourquoi je vous posais la question tantôt. Pourquoi limiter ça au personnel de la santé alors qu'on sait qu'ailleurs dans le monde, les jeunes sont vulnérables à ce variant? Ouais. Avec la rentrée en classe, il n'y a pas de vaccination pour les moins de 12 ans. Comment on va pouvoir véritablement protéger les plus vulnérables aussi si on n'oblige pas la vaccination aux autres? Bien, c'est un petit peu pour ça qu'on a décidé de passer par une commission parlementaire. Parce que vous savez, ça fait 18 mois qu'on prend des décisions à tous les jours, mais c'était dans des mesures sanitaires qui n'affectent pas l'intégrité d'une personne. Là, on dit à quelqu'un, je vais vous obliger à être vacciné. C'est quand même une décision très importante. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a décidé, étant donné qu'on en a parlé, on va discuter avec les oppositions, on va faire venir des experts. Ces experts-là vont nous dire un peu leur opinion là-dessus. Mais effectivement, comme vous le demandez, si jamais il faut aller plus loin que les travailleurs de la santé, bien, on discutera, on expliquera pourquoi, mais c'est ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez une liste claire là, de ceux qui devront être vaccinés? Je pense, par exemple, aux policiers, pompiers, les premiers répondants. Je pense aux ambulanciers. Qu'en est-il pour ces gens-là aussi? Je vais faire la différence. Un des grands principes qu'on a mis, là, il faut avoir un contact d'au moins 15 minutes avec le patient. Alors, quand vous me parlez d'un médecin, la réponse est oui. Si vous me parlez d'un ambulancier, la réponse est oui.
Alors, ce principe-là, là, sans aller trop dans le détail, je vous dis. Par contre, un policier, on n'est pas rendu là. Mais par contre, si jamais on voit qu'une certaine catégorie de policiers qui font, par exemple, des mesures sociales devaient le faire, bon, on va y aller. Mais c'est un petit peu pour ça que je pense qu'une bonne discussion en commission parlementaire avec des experts va nous aider à finaliser ça au cours des points. Mais il ne faut pas faire ça dans 2 mois, là. On a demandé aux oppositions de faire ça la semaine prochaine. Parce que vous voulez véritablement que ça soit appliqué le plus rapidement possible, on parle du mois d'octobre. Tout à fait. On observe, Monsieur le ministre, que près de quoi, là, 20 % des gens hospitalisés ont déjà été vaccinés. Ça donne des arguments aux anti-vaccins quant à la véritable protection de ces vaccins. Bien, au contraire. Moi, je vais vous dire, je suis content que vous me posiez la question parce que prenons le scénario, là, je vais vous faire une prédiction. Plus on va vacciner des gens, plus ce pourcentage-là va augmenter parce qu'en théorie, 100 % des gens vaccinés, je continuerai d'avoir des gens qui vont être malades parce que le vaccin, il n'est pas parfait. Il protège à 90, 92, 95 %. Alors, prenez une hypothèse où moi, j'aimerais que tout le monde soit vacciné. On va continuer d'avoir une partie de la population qui va être... Par contre, ils peuvent contracter le virus, mais ils ne seront pas aussi malades. Ouais. Ils n'en mourront pas. Donc, il y a des avantages, on le dit toujours, les avantages de se faire vacciner sont bien plus grands que les inconvénients d'attraper le virus. Je vous demande rapidement de répondre aux 2 questions suivantes. La vaccination pour les moins de 12 ans, ça va venir? Oui, bien écoutez, il y a des tests qui se font en ce moment avec Pfizer. Là, je ne peux pas vous dire une date, mais on suit ça de proche qui est arrivé avec ça. Mais c'est sûr que ça va faire une différence quand on va être capable de vacciner les moins de 12 ans. Là, c'est Santé Canada qui doit émettre une opinion là-dessus au cours des prochaines semaines, j'espère, le plus vite possible. Et le masque au cégep et à l'université, là, c'est décidé, ça? Ah, ça, c'est clair. On a écouté, encore une fois, on en a discuté avec la santé publique. Encore une fois, vous l'avez dit tantôt, c'est le variant. Est-ce qu'on aurait aimé mieux pas le faire? Mais je pense que dans un contexte des prochaines semaines, dépendamment comment va évoluer la situation, il faut comprendre, M. Bruno, rapidement, que là, les vacances sont finies, nos étudiants reviennent à l'école, il peut y avoir des hausses. Alors, je pense qu'on est mieux d'être un petit peu plus prudent pendant quelques semaines, puis après ça, on verra comment on agit. Alors, ça pourrait aussi arriver pour les jeunes du primaire et du secondaire. Bien, écoutez, là, on a réglé le cégep parce que c'était plus important à l'université. C'est la rentrée la semaine prochaine. Le secondaire, on a demandé à la santé publique de nous émettre une opinion. Est-ce que les conditions ont assez changé? Nous, on pense que oui, mais c'est à la santé publique de nous revenir avec une recommandation très claire. Monsieur le ministre, merci beaucoup. On espère que cette rentrée se fera le mieux possible pour tout le monde. Merci. La vaccination, hein, on y va? On y va, exactement. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. À bientôt.